Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh, petit bug d'affichage, on va corriger ça tout de suite. Et voici. Voilà, donc nous allons jouer aujourd'hui une partie Joker à vocabulaire courant. Nous sommes jeudi. Le jeudi, c'est le jour des parties à vocabulaire courant. Partie Joker à vocabulaire courant. Je vous rappelle le principe de la partie Joker. On a un Joker à chaque coup. On cherche avec le Joker. Le Joker dans le top va remplacer une lettre. Donc on va aller chercher cette lettre dans le reliquat, la poser sur la grille au bon endroit, à la place du Joker, et on récupère ainsi le Joker. On procède de la même façon jusqu'à ce qu'on puisse plus le faire, c'est-à-dire quand la lettre n'est plus disponible. La lettre concernée n'est plus disponible dans le reliquat, auquel cas on prend le joker suivant, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et puis quand il n'y a plus de joker, eh bien on termine la partie sans joker, comme en temps normal. Voilà, et puis vocabulaire courant, les mots retenus pour le top sont de vocabulaire courant. A priori, voilà, donc n'hésitez pas à me faire des remarques le cas échéant. Et puis à l'issue de cette partie, le traditionnel décodage, c'est-à-dire qu'on reverra la partie, on reviendra sur la partie pour voir les sous-topes et les isotopes de chaque coup, les définitions des quelques mots peu courants que nous aurions vus justement en sous-top ou en isotope, et puis les potentialités des tirages, c'est-à-dire les solutions en 7, 8, 9 lettres dans certains cas, que nous n'aurions pas vues pendant le premier temps du décodage et pas non plus pendant la partie. Voilà, allez, on va démarrer tout de suite ce jeu. Je vous souhaite une très bonne partie. Vous n'avez aucune lettre devant vous. Exception faite du premier joker que vous avez déjà pris. Et Danemark D. Algérie A. Grèce G. Tunisie T. Grèce G, c'est le deuxième. Égypte E. Vous jouez avec Joker, Danemark, Algérie, Grèce deux fois, Tunisie et Égypte. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 72 points. Faites très attention à la place retenue. Nous allons jouer horizontalement en H4. Le joker va être remplacé par un S de Suisse. Nous posons donc en H4 gadget. G, A, D, G, E sur la case centrale. T et le S de Suisse qui remplace le joker. Gadget H4. Ça fait 72 points. Donc attention à la place, nous avons joué en H4. C'est le G qui est sur la case bleue. Aucune lettre au reliquat. Le premier joker est toujours là. Prenez également Luxembourg L, Portugal P,
Italie I, Égypte E, Norvège N et Algérie A. Vous jouez avec Joker, Luxembourg, Portugal, Italie, Égypte, Norvège et Algérie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 86 points. Faites très attention à la solution choisie. Verticalement en 5E. Verticalement en 5E. En appui sur le A de gadget et en utilisant un S de Suisse pour remplacer le Joker, nous descendons Penaliza. P, E, N, le A de gadget, L, I, S de Suisse qui remplace le Joker et A. Penaliza en 5E, ça fait 86 points. Aucune lettre reliquat, exception faite du premier Joker. Que l'on accompagne de Maroc M, Égypte E deux fois, Norvège N, Égypte E, c'est le troisième, Roumanie R. Vous jouez avec Joker, Maroc, Égypte trois fois, Norvège et Roumanie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 80 points. Attention à la solution choisie verticalement en 8A et à la place. Verticalement en 8A pour terminer sur le E de gadget. On va utiliser un U d'Uruguay pour remplacer le Joker en descendant énumérer E, N, U d'Uruguay qui remplace le Joker, M, E, R, E et le E de gadget. Énumérer E-N-U-M-E-R-E-E. En 8A, ça fait 80 points.
aucune lettre au reliquat. On reprend le premier joker, ainsi que Italie, I. Tunisie, T. Égypte, E. Italie, I, c'est le deuxième. Uruguay, U. Et Suisse, S. Vous jouez avec Joker, Italie deux fois, Tunisie, Égypte, Uruguay et Suisse. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 77 points. Le joker va être remplacé par un L de Luxembourg. Attention, très attention à la place horizontalement en M3, de façon à mettre le premier I du mot au bout de pénalisa. Nous posons utiliser. U, T, I qui vient au bout de pénalisa pour faire pénaliser AI. L de Luxembourg qui remplace le joker. I, S, E. Utiliser U-T-I-L-I-S-E en M3, ça rapporte 77 points. Au reliquat, aucune lettre. On a toujours le premier joker. Et vous prenez également Uruguay, U. Norvège, N. Belgique, B. Danemark, D. Algérie, A, deux fois. Vous jouez avec Joker, Uruguay, Norvège, Belgique, Danemark et Algérie deux fois. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 79 points. Horizontalement, faites attention à la place, c'est en L7, c'est pour coller au-dessus de trois dernières lettres de utiliser. On va prendre un E d'Égypte pour remplacer le joker et poser bandeau B-A-N-D, E d'Égypte qui remplace le joker, A-U. Le B forme bi. Le A forme as et le N forme nœud avec les trois dernières lettres de utiliser. Bandeau,
B-A-N-D-E-A-U en L, 7, ça fait 79 points. Aucune lettre au reliquat, on reprend le joker, et puis voici Égypte E, Roumanie R, Algérie A, Suisse S, Égypte E, c'est le deuxième, et Portugal P. Vous jouez avec joker, Égypte deux fois, Roumanie, Algérie, Suisse et Portugal. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 86 points. Le joker est remplacé par un X de Xénophon, horizontalement en A8, en partant du premier E, du tout premier E de énuméré, nous posons exaspère. E, le premier E de énuméré, X de Xénophon qui remplace le joker. A, S, P, E, R, E. Exaspère, E-X-A-S-P-E-R-E en A8. Ça vaut 86 points. Aucune lettre au reliquat. Exception faite du premier joker auquel on ajoute Italie I, Océanie O, Roumanie R, Algérie A, Roumanie R c'est le deuxième, Italie I c'est également le deuxième. Vous jouez avec joker, Italie deux fois, Océanie, Roumanie deux fois et Algérie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 70 points. Le joker va être remplacé par un
S de Suisse, verticalement en 12A en partant du P de Exasper. Nous descendons Prioriza, P-R-I-O-R-I, joker remplacé par un S de Suisse et le A. Prioriza, 12A, ça fait 70 points. Aucune lettre au reliquat. On reprend le joker. Et puis Norvège N. Maroc M. Italie I. Roumanie R. Égypte E deux fois. Vous jouez avec joker, Norvège, Maroc, Italie, Roumanie et Égypte deux fois. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Le joker va être remplacé par un S de Suisse pour 85 points. Verticalement en 4F, en double appui sur le premier G de gadget et le T de utiliser, ainsi qu'en collante à gauche de pénaliser, nous descendons régiment. R, E, G de gadget, I, M, E, N, T. Et le joker est remplacé par un S de Suisse pour mettre le mot, pour pouvoir jouer le mot au pluriel. Au passage, nous formons plusieurs mots de deux lettres, ré, en, il, mi, et na, avec les lettres de pénaliser. Régiment, R-E-G-I-M-E-N-T-S, en 4F. Ça fait 85 points. Aucune lettre au reliquat, sauf la lettre blanche. Et nous prenons Hongrie H, Norvège N, Luxembourg L, Italie I, Uruguay U et Égypte E. Vous jouez avec joker, Hongrie, Norvège, Luxembourg, Italie, Uruguay et Égypte. Chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 72 points. Horizontalement en J2, en appui sur MI déjà sur la grille et en utilisant un T de Tunisie pour remplacer le joker, nous posons Humilie. H-U-M-I-L-I-E. N et le T de Tunisie qui remplace le joker. Humilie, H-U-M-I-L-I-E-N-T, en J2, ça rapporte 72 points. Aucune lettre au reliquat. Outre la lettre blanche, nous prenons également Océanie O, France F, Algérie A, Belgique B, Uruguay U et Zambie Z. Vous jouez avec Joker, Océanie, France, Algérie, Belgique, Uruguay et Zambie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 134 points. Le joker est remplacé par un E d'Égypte verticalement en 3A. Nous descendons bafoué. B-A-F-O-U. Le E d'Égypte qui remplace le joker est Z. Au passage, avec les lettres de la grille, nous formons R-E-R-E et Zen-Z-E-N. Bafoué. B-A-F-O-U-E-Z en 3A, ça fait 134 points. Au reliquat, aucune lettre. On a toujours le joker. Et on prend Venezuela V. Wallonie W.
Kenya, K, Kenya. Océanie, O. Luxembourg, L. Et Algérie, A. Vous jouez avec Joker, Venezuela, Wallonie, Kenya, Océanie, Luxembourg et Algérie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 48 points. Le joker est remplacé par un M de Maroc, horizontalement en B2 en double appui sur le A de bafoué et le N de énuméré. Nous posons Walkman. W, A de bafoué, L, K. Le M de Maroc qui remplace le joker, A et le N de énuméré. Walkman, W-A-L-K-M-A-N en B2. Ça fait 48. Au reliquat, deux lettres, Océanie et Venezuela. On récupère le joker et on prend Océanie O, c'est le deuxième. Canada C, Québec Q, Québec, France F. Vous jouez avec Océanie deux fois, Venezuela, Joker, Canada, Québec et France. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Top à 33 points. Le joker est remplacé par un I d'Italie. Verticalement, en 8J, en triple appui, en partant du E de Humili, nous descendons évasif. E, V, A, S, déjà sur la grille. Le joker remplacé par un I d'Italie et F. Évasif en 8J, ça fait 33 points.
Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Trois lettres, quatre lettres au reliquat, Canada, Océanie deux fois et Québec. On a toujours le premier joker et on prend également Tunisie T et Luxembourg L. Vous jouez avec Canada, Océanie deux fois, Québec, joker, Tunisie et Luxembourg. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 34 points verticalement en 13 i. On appuie sur le i de bandeau et en utilisant un e d'Égypte pour remplacer le joker, nous posons coquet. C-O-Q-U-E qui remplace le joker et le T final. Coquet, C-O-Q-U-E-T en 13 i, ça rapporte 34 points. Deux lettres au reliquat, Luxembourg, Océanie, vous les rejetez. Donc on rejette le L et le O. On prend le premier joker, toujours disponible. Océanie, O, une fois, deux fois, trois fois. Tunisie, T. Hongrie, H. Et Danemark, D. Vous jouez avec joker, Océanie trois fois, Tunisie, Hongrie et Danemark. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 39 points qui va nous valoir de laisser le joker, le premier joker sur la grille pour remplacer un S de Suisse horizontalement en O11 et de façon à mettre ce S au bout de coquet, nous posons Hosto.
H-O. Joker S de Suisse. T-O. Au passage, nous mettons coquet au pluriel. Hosto, H-O-S-T-O, en O11, ça rapporte 39 points. Un reliquat de deux lettres, Danemark et Océanie. Vous rejetez le D et le O, donc. On prend le deuxième joker, Uruguay U, Algérie A, Norvège N, Jordanie J, Égypte E et Tunisie T. Vous jouez avec joker, Uruguay, Algérie, Norvège, Jordanie, Égypte et Tunisie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 82 points. Attention à la solution choisie. Le joker va être remplacé par un O d'Océanie. Verticalement en 14A, en partant du R de Exasper, nous descendons rejouant. R, E, J, joker remplacé par O d'Océanie, U, A, N, T. Rejouant en 14A, ça fait 82 points. Si vous aimez les parties avec beaucoup de Scrabble qui sont assez courtes, etc., je vous suggère les parties détonantes. C'est le vendredi. Voilà, partie détonante, 19 coups maximum et, max et minimum de du top, 1100 points. Donc là, là ça va en être une. Hein. Avec, quand c'est une partie de Joker, c'est un peu normal. Mais là, ce ne sont pas des parties de Joker, ce sont des parties normales, mais. Avec des tirages sélectionnés pour que le top soit supérieur à 1100 et le nombre de coups inférieur ou égal à 19. Voilà, partie détonnante, c'est le vendredi. Alors, aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. On a toujours le deuxième joker. Et en fait, on prend le reste, c'est-à-dire Roumanie R, Luxembourg L, Canada C, Yougoslavie Y, Venezuela V et Danemark D. Vous jouez avec Joker, Roumanie, Luxembourg, Canada, Yougoslavie, Venezuela et Danemark. Chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 42 points pour ce qui sera le dernier coup de cette partie. Horizontalement en C7. Sur le U de énuméré, nous posons Yue. Y, U. Le joker remplace un E d'Égypte. Le Y forme E à Y avec le deuxième A de Walkman. Yue en C7. Ça fait 42 points. Voilà, c'est terminé pour cette partie Joker à vocabulaire courant. Alors, le mot UE et le mot E à Y ne sont pas du vocabulaire courant, mais pour les Scrabbleurs, ça fait partie des petits mots à apprendre tout de suite. En fin de partie, ce n'est pas du tout évident de rester sur. D'avoir un dernier coup qui relève du vocabulaire courant. Il y avait en sous-top, il y avait 41 points avec Dry. En 10, L, on va voir ça dans le décodage. Donc la partie affiche un top cumulé de 1119 points pour 16 coups joués. Et on va décoder ça tout de suite. Allez, jingle. Un décodage en trois temps. Premier temps, on passe en revue les coups de la partie pour voir les isotopes, les sous-topes. Deuxième temps, les définitions des mots peu courants. Donc comme c'est une partie à vocabulaire courant, il s'agira essentiellement des mots vus en sous-top ou en isotope ou des mots qui seraient évoqués par d'autres mots. Et troisième temps, les potentialités des tirages, c'est-à-dire les solutions en 7, 8 et parfois 9 lettres que nous n'aurions vues ni pendant la partie, ni pendant le premier temps du décodage, dans les sous-tops et les isotopes. Et puis en bas, vous avez un bandeau avec deux petites lignes qui défilent. La première ligne, ce sont des mots qui viennent de la partie ou qui me sont inspirés de la partie que je considère intéressant à connaître. Et il n'y a pas les définitions, mais juste les natures. Pour savoir voilà, si c'est un nom, un verbe, un adjectif, voilà, c'est important. Par exemple, quand on a joué pénalisa, il y avait en sous-top panélisé, et panélisé, il faut savoir que ça n'est pas un verbe, c'est un adjectif uniquement. Voilà, exemple. Bon, après, vous voyez les autres mots qui défilent, ils sont en lien avec la partie. Et alors, la deuxième ligne, c'est là, pour le coup, alors, je mets un peu de tout, hein. Parfois c'est une règle d'orthographe, parfois une famille de mots à retenir, etc. Donc là, je vous ai mis un 7 plus 1, paroire au pluriel, qui donne 7 solutions avec une lettre d'appui. Donc elle défile à l'écran. Ce tirage m'a été inspiré par le top Prioriza, dont l'anagramme a priori, A-P-R-I-O-R-I, avec un S ici au pluriel, est assez intéressante puisque c'est un mot... à l'origine, c'est une locution latine qui est en deux morceaux. Et là, le mot a été rassemblé en un seul. Voilà. Allez, donc, on démarre. Alors, premier coup, gadget placé en H4, c'était le seul Scrabble. Donc, ça pouvait être difficile hein, à trouver, si on ne pense pas chercher comme ça. Y avait dégage sur un A ou un N. Dégage ENT, mais en cette lettre là, il n'y avait rien d'autre que gadget. Donc là, c'est le genre de mot qu'on peut trouver en bougeant un peu ces lettres parce que ça vient pas naturellement. Hein. C'est pas un verbe, c'est pas une terminaison classique, c'est pas des séquences classiques. DG, il n'y a pas beaucoup de mots qui contiennent DG à la suite. Donc c'est typiquement, enfin moi en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Je mélange les lettres pour m'aider à trouver. Sous-top dégagé à 20 points, et puis après c'est gadget au singulier, godage, daguet 18, datage 18 également. Voilà, le coup suivant. Alors là, il y avait un peu plus de possibilités, notamment
notamment sur le E de gadget. Alors là, on a Alepine qui s'écrit avec un ou deux P. Hein. C'est un adjectif de Alep en Syrie. Et donc là, c'était la seule solution qui plaçait le P dans la colonne 8. Donc c'était la seule solution en triple à 86. Mais sinon, en quadruple, il y a le même score avec Alpé à IENT, du verbe Alpé, Aplani, déplaner, Lapé, Népalais, Palatine et Planaire. Et nous, on a joué Pénalisa pour les rallonges en une lettre IST. Autre sous-top, donc là on revient en 8A, mais sans placer le P, donc ça fait moins. Capeline, nom féminin. Panélisé, adjectif. Pateline, c'est un verbe, hein, pateliner. Voilà. Pénalité, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses, la planéité, plein de choses à 80 points. En 8A, etc. Enfin voilà, c'est un tirage très très riche sur le G épingla. Voilà, voilà. Alors, le coup suivant, là on avait, on a joué ramener, non, on a joué énuméré, nous. Il y avait également ramener, hein, pour le même score qui plaçait le M. Même place, mais sans placer le M sur une case bleue, on a 77 avec enfermé en 8A ou en 8H. En E5, promener 70. Idem avec réanimer en L3 et réexamen rentamé en L1. Le coup suivant, utiliser joker L, inuit. Inuit, c'est un adjectif, donc I-N-U-I-T ou avec un E pour le féminin. 75, selon inusité également, situé aussi, utilise décalé, ça fait moins 2 de même. Inusité et E en triple en A1, ça fait 74. Voilà, il y a plein de solutions en M1, M5, voilà, en mettant une lettre, soit le I, soit le S, soit le T au bout de pénalisa, on a l'embarras du choix. Et puis on appuie enduisi, en suivi, inquiète, induite, inquiet, tout ça, ça fait 68, instigué, institué, voilà, toute une série, minutie, plein de Scrabble à 68, la tunisien, suintine, suiviste, sinusite, séduisie, unicité, bon, tout ça, ça fait, là, cette fois, ça fait 64. Ça double sur le S. Alors, le coup suivant. Alors là, on a joué bandeau à 79 qui collait sur trois lettres. En décalant pour coller sur une seule lettre, ça faisait un peu moins. 74, égalé par Umbanda. On verra la définition tout à l'heure. Dana Blue, 73. On verra également la définition tout à l'heure. Dauban, 71. Donc ça, c'était les Scrabble secs avec ce tirage. On verra tout à l'heure s'il y en a d'autres. Je pense pas. Je pense qu'il serait passé. Hein. Voilà. Et puis après, bah, Umbanda au pluriel, Bando au pluriel, Dana Blue au pluriel. Tout ça, ça passe à différents endroits. Et sans Scrabble, on a 30 points maximum avec Bada, S ou T, en N1. Alors ça c'est un coup difficile parce que joker lettre chère, ça surprend. 86 points, seule solution à ce score, donc on perd facilement 2 points sur ce coup. Exaspère. Sous top donc en N8 pour faire ASA, doubler, tripler le P, doubler le mot. On a asperge, asperme, aspiré, ça fait 84. De la même façon, on fait as au lieu de asa, mais espacer, espérer, espéra, voilà. Ampère qui fait nem, ça fait un peu moins puisque c'est un joker qui vient dans la collante. Emparer de même. Bon, beaucoup de solutions en N8, N9 pour 81 points minimum. Speaker, sprayer.
En A1 ou en A8, on a plusieurs triples, hein, Aférèse, Aspergé, Emparé, Empèzera. Tout ça, ça fait 80 points. Aspérule à 76, et puis en C6, plein de solutions à 76 aussi, en plaçant le P sur la case bleue et en doublant le mot, notamment la famille du verbe, enfin le verbe épurer, conjugué à différentes sauces. Voilà, c'est un tirage très riche, donc il y avait de quoi faire pour scrabler. Le coup suivant, un tirage intéressant aussi, mais peut-être qui donne moins de possibilités. Alors, on a joué prioriser, alors les verbes au passé simple, quand ils font 8 ou 9 lettres, enfin, quand le mot fait 8 ou 9 lettres, donc ça fait des infinitifs à 9 ou 10 lettres, c'est toujours très difficile, moi, je trouve. Prioriser, moi, je trouve que c'est compliqué à construire, comme théoriser, voilà. Chamoisa, Calandra, hein, pour ceux qui se souviennent de ma bévue au simultané mondial, enfin pas ma bévue mais mon ratage. Voilà, donc on avait d'autres possibilités de scrabler pour un peu moins en moireré sur le M en double, ourdiré sur le U, rouilleré aussi, sourirait, armorié sur le M également, mais en décalant, donc on n'a plus la case bleue, on est à 66. Ouvrirait 66, joker sur la case bleue, rougirait pareil, reboirait 64, roidirait, vieux synonyme de raidir, 61, 59, et puis on a un microscopique Scrabble là, 57 points, armorier, le verbe armorier en 12F. Et puis sans Scrabler, on a une petite collante mignonne là, en B6 avec 26 points, renier. Le coup suivant, pareil, un tirage très très riche, mais un top absolument magnifique et introuvable. C'est un mot de vocabulaire courant, donc je l'ai laissé, hein, le but de la partie. Le principe de la partie, c'est que les tops soient du vocabulaire courant, pas forcément que les mots soient faciles à trouver, ni à construire, ni à placer. Donc voilà, régiment, 85 points, collante intégrale, le mot qui double. Ça fait mal. Donc, sous top à 77 avec émière, du verbe émier, qui signifie émietter. Mérinide en 6B, ça fait 76. Autre collante. Émincé, 75. Donc là, on va avoir pas mal de solutions qui commencent par EM pour faire 75 points. Donc, émincé, émir, émirien. Réanimé en 10A, ça fait. C'est un mot double avec le M qui triple, ça fait 74. Et puis, voilà, c'est à peu près tout. Après, voilà, en N9, on a plein de possibilités en démarrant soit du E, soit du M. Mendier, Méneret, Mérionne, Meunier, etc., etc. Le coup suivant. L'huile ENT qui passe pas, et ben on a encore un coup difficile, hein, un double appui sur MI déjà en place. Humilie, Scrabble unique, sous top à 33 points avec Chénin, ou ch non, Chenin, Chenin. En 14A, le H qui triple et le mot qui double avec Reliche. En K10, une belle collante avec Ulan, Uhlan. On a également Hénin, Ider, Ideux en B5 ou 10J pour 27. Le tirage d'après, alors là aussi c'est un coup assez spectaculaire. Le Z en pivot sur la case bleue, le mot qui double. C'est un Scrabble. Ça fait un score de fou, 134 points. Donc voilà, c'était pas facile, il fallait pas rater la place. On a de l'autre côté possibilité de faire Ré, REZ, mais on n'a pas de place pour scrabler, donc on se contente entre guillemets de Ru, RUZ à 67. Et puis les autres possibilités sont sur la même place que le Scrabble, donc c'est pour ça qu'on perd beaucoup de points si on ne l'a pas fait. Fez, Gaz, Ra, Ru,
Tout ça, ça fait 48 ou 46. En F2, forêt, le F qui triple, le Z qui triple, offrait également, ferait aussi 44. Bafferait 42, obérait 42, etc., etc. Le coup suivant, encore un coup compliqué. Décidément, c'est pas une partie facile à toper, hein, bien qu'elle soit à vocabulaire courant. Walkman en double appui, donc WK, forcément, ça fait des points. Sous top, 46 avec Waouh, le W qui double et le mot qui double. Et puis, égalé par WOH en 7C. Et One, même place. Avec KW, on a Kawa ou Kawaii en B2 à 44 ou Kawi en 6B. Alors là, un peu piégeux comme tirage, un peu piégeux parce qu'on va jouer sans le cul. Sans la lettre chère, donc en triple appui en plus, donc ça aussi c'est un coup difficile, évasif, sous top 32 points avec coq, 5 rapporte 28 et fic 26, focus également en 13i. Le coup suivant, eh bien, on revient sur coq mais on rajoute un T, donc coquet, sans le T ça fait 32, quilt en F10 ça fait 29 et 5 ça fait toujours 28. Bizarrement. Le coup d'après, le S, joker, au bout de coquet, sachant qu'on aurait pu faire coqueta ou coqueté, mais ça, c'est pas du vocabulaire courant, donc j'ai préféré mettre un S, voilà. Hosto à 39, sous top 33 avec da, D-A-H, qui fait R-H-E-R-E, en 2D, en 14J, on a hi, qui fait qui, à 33 aussi. Et puis, plusieurs solutions à 30 points en N10 avec le H qui triple et le mot qui double, notamment ôte et ôta, puisque c'est un verbe, le verbe ôter. Ensuite, on se rapproche de la fin. Donc là, on a joué rejoint, on avait également rajeuni pour le même score. Et en E7, encore un double appui à 80 points, moins 2. Jeûnerai. Anti-jeu, Scrabble sec à 75. Et puis en N10, on a en collante et avec le J qui triple, le mot qui double, plusieurs solutions qui dépassent les 60. Jante, jatte à 67, jette à 64, et c'est tout. Et puis on a Jacques, J-A-Q-E, avec le J en pivot sur une case rose, qui fait 58. Et le coup suivant qui sera le dernier, on a Yue à 42 pour le top, Dry en 10L fait 41, D 39, Sion en D 1, 34. Voilà, c'est terminé donc pour le passage en revue des différents coups de la partie. Maintenant, on va passer aux définitions des mots qu'on aura rencontrés donc en sous-top ou en isotope. Alors, mérinide, je suis allé vérifier parce que je ne savais pas comment ça se prononçait à la fin, parce qu'il y a souvent des IDE qui sont des noms, des familles d'animaux surtout d'animaux, donc qui se prononcent ID. Mérinide, c'est un adjectif d'une dynastie musulmane du Maroc. Alépin ou Alépine, adjectif 1P ou 2P, c'est un gentilé hein, d'Alep en Syrie, où c'est un tissu de soie et de laine, pour le nom féminin, Alépine. Inuit, c'est la même chose que Inuk, c'est un adjectif. Eskimo, Umbanda, au Brésil, c'est un culte. Émier, réduire en miettes. Resto, pourquoi j'ai mis resto? Parce que c'est par rapport à hosto. Il est parti au sto. Alors attendez, hop. Voilà. Donc au sto, qui s'écrit H-O-S-T-O, O-S-T-O, H-O-S-T-E-A-U. En revanche, donc ça m'a évoqué le mot resto. Resto ne s'écrit pas R-E-S-T-E-A-U. Bien sûr, parce que c'est l'abréviation de restaurant, T-A-U, donc il s'écrit R-E-S-T-A-U, pluriel avec un S ou un X, et il y a également resto, R-E-S-T-O.
Presto, voilà, devant resto, on peut mettre un P. Donc, mouvement rapide, c'est aussi on connaît l'adverbe, hein, presto, qui veut dire aller vite. Mais c'est aussi un nom masculin, donc on peut mettre un S au bout de presto. Chenin, cépage blanc qui fournit le Vouvray. Rue, RUZ, type de vallée du relief jurassien. Coqueté, avec un ou deux T, se pavaner. Enfin, coqueté, à l'infinitif, il y a un seul T, mais quand on conjugue et qu'on a un E muet après le T, on peut en mettre un ou deux de T. Youé, c'est le cantonais, hein, la langue. Dry. Cocktail à base de gin et de vermouth. Alpé, chez nos amis suisses, signifie monter le bétail aux alpages. Déplané, chez nos amis sénégalais, perturbé, découragé. Planaire, un verre plat d'eau douce. Capeline, donc c'est un nom féminin, ne jouez pas capelin. C'est un chapeau de femme à grand bord souple. Et enfin, panélisé, adjectif et nom, ou c'est la même chose que panéliste, c'est membre d'un panel. Alors je dis, c'était pas la fin. Danablu, fromage bleu danois. Asperme en botanique, c'est qui ne produit pas de graines. Ourdir signifie tramer. Rouir, traiter le lin ou le chanvre pour en isoler les fibres. Reliche, chez nos amis québécois, un condiment au cornichon. Hulan, un lancier de l'armée allemande. Hénin, une coiffure féminine haute et conique. Et wow, interjection au Québec, familier, ça veut dire stop, c'est assez. Da, c'est soit le bissap, soit le chanvre de Guinée. Et c'était tout. Voilà, on va passer maintenant aux potentialités des tirages. Donc, je change d'affichage. Et nous voici donc, Gadget, c'était le seul 7 lettres au premier tirage. On avait également en appui Dégagea, Débega et Dégage ENT. Moi, je ne vais pas trop regarder les 9 lettres là, parce que comme on a, c'est une partie de Joker, il y aura déjà pas beaucoup de solutions en 7-8. Dégagiste, Gadgetisé, Gadgetisa. Voilà. Dégurgita. Alors, le tirage suivant, il y en a milliards de solutions. Ouh là 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 là, il y en a beaucoup trop. Allez, on va regarder les uniques ou les lettres chères. Ptialine, Pleuvina. Tchouk tchouk tchouk. Faline, PHA2LINE. Planifier, plébin, ouais, ok, là c'est pareil, beaucoup trop de solutions, on va regarder enrhumé sur un H, mévendre, réexamen qui passait, la même, biscuité, justifier, instiguer. Voilà. Alors là, il y a un peu moins. Mais alors les quatre lettres, on les a vues. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? L'abdanum. Voilà, il n'y a que l'abdanum et adouban. Voilà, on n'a pas vu. On n'a vu ni l'abdanum ni adouban. L'abdanum, donc c'est pareil que l'adanum. Une gomme résine à odeur ambrée utilisée en parfumerie. Je ne vous mets pas toutes les définitions dans la partie tirage parce que sinon, on n'en finit pas. Alors, là, oulalalala, il y en a trop. Même avec les lettres chères, il y en a beaucoup. On oublie. Alors, là, c'est un peu pareil, mais on a quelques uniques intéressants. On a vu... Orifia, on ne l'avait pas vu. Un fraisoir avec un F.
sans conjuguer. Sinon, énormément de conjugaisons, bien sûr, hein. On a IRAI et le joker, ça conjugue à tout va. Alors, le tirage suivant, c'est encore pire. Allez, on oublie. Alors là, il y a un petit peu moins. Donc, huile, on l'avait vu, schlingue, lunchier et hugolien sont les trois mots de huit lettres possibles avec ce tirage. Bafoué, bafouillé. Allez, là, on va regarder les neuf lettres parce que c'est un tirage. Eh bien, il n'y a rien de plus que les formes de bafoué. Walkover. Oh là là là. Ça scrablait ça sur un E ou un R. En plus, ce n'est pas des lettres rares en appui. Eh bien, ok. Ça aurait fait mal. Bon, ça ne pouvait pas apparaître dans ce genre de partie puisque c'est une partie à vocabulaire courant, mais ça peut faire mal. Ici, forcément, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ah non, oh, en neuf lettres, colloca du verbe colloquer. Orthodoxe, homodonte, homodonte. Eh bien, on va rester là-dessus, puisque je crois qu'après. Ah non, il y a encore celui-là. Anti-jeu, on l'a vu. Jauge, jaunet, jaunéité, jeûnant, jugeant, juvénat. Jaunâtre, jaunette. Ouais. Ok. Je vous laisse regarder. Beaucoup de conjugaisons, forcément. Et là, c'est le dernier coup. On n'a rien en 7, rien en 8, rien en 9. Je vous laisse là-dessus pour qu'il y ait un petit peu de mots à l'écran. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette partie et son décodage. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker les vidéos et puis à en parler autour de vous, hein. Le nombre d'abonnés là, commence à grimper. Là. Depuis 2 jours, on est à plus 20. Donc, c'est super, on est très content. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Portez-vous bien.